pas issu que toi en fait au final. Bah je sais pas si c'est parce que c'est moi qui lui ai parlé. J'ai l'impression. Je me demandais en fait si vous l'aviez, si vous suivez vous. Ah non, c'est que toi là, il vient d'arriver avec Tyrion. Ok. J-R Orc. Tisseur J-R Orc. Ça, c'est le nom de l'araignée avec l'antenne. Bah, tout à l'heure, il a dit Orc, justement. C'était les ennemis, non, les méchants? Bah oui, il parlait de danger, donc... Large insect incoming, il a dit, là. De quoi il parle, mais... Ça donne pas de loot, en tout cas, ces... ces mobs-là. Je vais aller le réparer. Du coup, Volt est parti chercher les baies, c'est ça? Mmh. Pourquoi je me fais agresser par tous les mobs Menace détectée. Pourquoi je suis dans la maison? Pourquoi j'ai une menace? Sûrement un des mobs, justement, avec une antenne. Il en fallait combien des baies? J'arrive à la maison. 5 cuirs de baies. Parce que je me fais agresser, c'est chiant en fait. Tu veux GNT? Non, ça va aller, j'en ai 11. Donc disons que je vais pas farmer plus. Alors, comment te dire plus. Bah, en fait, on avait des morceaux de baies non transformés. Donc en fait il n'y avait pas besoin, c'est ça? C'est ça. Je rentre à la casa. Mais ça sert toujours, hein, des cures de baies. Et les ongles, plus ça ramène Non, bah non, les ongles, vu que c'est à côté, je vais pas aller chercher pour l'instant. Ah mais faudra revenir ici du coup pour fabriquer le truc. Ok. Ah bon? Faut un établi sur place? Merde. Bah attends, j'y vais. Non, je pensais qu'en fait ce serait fait avec le transformateur sur place. Ah, s'il peut servir d'établi, oui. Enfin, mais... je pensais que ce serait le Javamatic qui allait le faire en fait. Vu qu'on peut le faire dans l'établi, je suis étonné. Ok, non, mais je vais le chercher. Ah, ils ont peut-être prévu un établi sur place. Hein. Ouais. Donc, Grounded 2, c'est en fait des géants, c'est ça? Ouais, ou on explose, mais ils savent pas encore. Ouais, mais exploser ça ferait cher quand même le jeu quoi. Ils ont pas dit à quel prix de vendre hein. C'est play day one on Game Pass. Game Pass, tu meurs, voilà. Ouais, quand même, sinon GG nous pour avoir quand même battu deux gros boss first try. Hein. Bah, le deuxième était un sac à PV quand même. Hein. Ouais, ouais, la vipère noire aussi. Hein. Je pense qu'on a plus galéré avec le robot. Ah bah, avec les rayons laser, il y avait beaucoup plus de choses à faire attention. Et le deuxième qui avait beaucoup d'AD. Ouais, puis on avait pas beaucoup de stuff. Le deuxième, parce qu'on n'avait pas gaffe, c'est à cause d'explosion. On pouvait casser. Après, j'ai joué mon rôle de. Je tape pas beaucoup, mais je reste en vie. Quoi. Moi, j'ai tanké. Vu tout ce qu'on traverse pour arriver jusqu'au boss, en fait, on a déjà plus de stuff, c'est ça qui est un peu. Vous pouvez y aller avec des réparations, ouais. Donc du coup, protection que armure moyenne, corrosion, autoritaire. Je pense que ça fait de l'agro. Dégâts de poison.
prends le dernier palier de taille max des piles de ressources. Oui. Ah non, c'était pas avec les dents ? Si. Ah d'accord, ok, ça s'affiche. Je pensais que ça s'affichait différemment. Oui, mais je suis con. J'ai perdu ton point, Jigouille, je vois plus. Ah ouais ? Il a pas bougé. Si tu dois être à côté. T'es en plein dessus. Ouais. À côté de toi. T'es en plein dessus là, vraiment. D'habitude, c'est moi qui le lance, donc en fait, je suis con, je l'ai jamais vu. J'ai des graines d'herbe, mais j'ai pas vu. Je vois pas donc c'est en dessous, du coup. Ouais. Ah, j'ai une grosse menace détectée, a priori. Sinon, t'as un autre endroit. Je peux te le mettre si tu veux, c'est ouais. Pas trop trop loin. Vas-y. Ah, moi, je vais tracer, là. Ok. Là-bas, ça risque d'être un peu plus tendu. Hein. Tu vas attaquer, là. Je suis à côté d'Arred. J'ai même plus de soin. Ah oui, c'est là où il y a les fourmis là-bas. C'est le marteau, l'ongle. Hey, Fid. Oh ouais, bah oui, c'est... Ouais, c'est sûr, même. Oui. Marteau 3, ouais. Il nous manque des puces, hein, parce que... sur des trucs à découvrir. Oui. En dessous, il y a encore des puces qui sont affichées sur le... sur la map. Ça, là, les collections, j'avoue que... on va pas utiliser pour les collections. Il y a rien de débloqué pour le... Bah oui, on n'a pas récupéré de puces, au final. Bah non. Ok. Ah, ici, non. Il y avait une puce verte, mais on a attendu Jikoi pour... On peut faire ça et ça, hein, écoute. Oh, tu veux le faire quand même ? Bah, hors collection, ouais. Il reste au moins 5 boss à tuer. Je regarde les cartes. Et je pense qu'on en a loupé un. Hein. Entre le robot et le foreman, hein, il y en avait un. Ah, il y a une liste abandonnée peut-être ? Tu pas la veuve, non? Non, c'est quand la veuve est pas un boss. Tu te dis qu'on a oublié d'accord, ok. Côté, quoi. Effectivement, ok. Mais du coup, ah oui, c'était pas un boss l'autre qui explosait dans tous les sens aussi, ok. Elle où la veuve noire? Elle est là. Ah, elle m'a vu. Ah oui, la veuve noire est... Et quand même... 4 coeurs... c'est un des plus forts des non-boss, quoi. Oui, parce que c'est pas étonnant, ouais, mais... Ouais, vu le truc... Ah oui, les boss, ils ont une petite couronne à côté, ok. On a fait que deux boss. Le robot et Fourman. Ok. Je trouve pas les ongles. Par contre. C'est rarement que ce soit des graines d'herbe, mais. Non. Bah écoute, bizarrement, j'ai encore des graines d'herbe juste à l'endroit où. Dans cette zone-là, il y en a partout. Étudier le truc du coup? Non, tu peux encore. Ouais, si, c'est bon. Ah, purée. Aïe. T'as donné ton deux. Non, ok. J'y comprends pas. Ah, ouais. Non, c'est juste, j'ai trouvé, je suis passé à côté de la tondeuse. Oui. Ah, c'est le dernier boss. On a dit que c'était le chat. Il y en aurait aussi dans l'eau des...
Si c'est ça. Oui. Ah, et t'as les puces aussi qui clignotent. Oui. Je les trouve pas les ongles par contre. Pourquoi j'ai un bruit de combat? Tu peux afficher la carte, pop-up, je vais outer. Ah non, attends. Je suis allé à côté, hein, je tourne autour. Ok, t'es là, ouais. C'est bizarre, parce que moi je vois pas de radar ici. Ici, non, mais il est là. Juste là, je me suis un peu décalé parce que je me faisais attaquer, mais. Ah non, j'ai dû fermer. J'en vois pas là où t'es. Ah. C'est pour moi. Attends, comment on met un point de passage? Non, c'est là. R. Voilà, c'est... J'en vois un ici. Ouais, celui-là, ouais. Je vais retourner voir ça. Ah oui, non, effectivement, ouais. Remets-le ton point. Il y est là? Ok, non, pardon, je regardais pas du bon côté. C'était sûrement celui que t'avais fait avant, j'ai pas vu que le point de Jikui cachait le carré. Ok. Le seul truc, c'est que. Ah non, mais quelqu'un avait mis sur mon autre scanner, c'est pour ça que je le voyais. Je voyais autre chose. En fait, il y en a que deux, y a rien d'autre. Ah, gros truc. Gros truc. Oui, il fait nuit. Super ouais. Mixer. Non, mais ça a scarbé bœuf, je pense, mais je ne retourne pas. Ouais. Il y en a un autre là. Aïe. C'est quoi qui m'attaque? Ah, c'est une fourmi, ok. Ah, si je sais où il va être. Il va être dans le tuyau là. Ok. Ouais, c'est bon, j'ai. Ça file qu'un seul ongle. Ouais, on a besoin qu'un. On en a quatre. Ok, donc j'en ai un. Je vais tracer pour rentrer. Il en fallait juste un. Oui, on en a quatre, il en faut cinq. Il fallait de la science grillée, il fallait des éclats de chewing-gum, des écailles de carpecoy et du cuir de baie. Me fasse l'armure de la guêpe, moi. T'as pas tué beaucoup de guêpes, je pense. Non, en plus, c'est l'année d'être ajouté, on a eu cette armure qui est... Nouveau, ouais. L'armure de la guêpe, c'est pour les arcs. Et le bonus de l'armure donne un gros bonus de dégâts aux bêtes aériennes. Comment tu... les détails du bonus, parce que c'est pas très expliqué. Je suis allé voir sur internet. Ok. Du coup, il y a un arc niveau 3 ou pas là? Ah, j'ai pas été chercher ça. Juste voir, parce que je sais qu'il y a des bonus de panneaux complètes. Et en fait, le truc, je comprenais pas trop. Parce que c'est marqué. En fait, le premier bonus, c'est quoi? C'est. Attends, où est-ce qu'elle est? Combo de tir chargé. Ça veut tout et rien dire, mais en fait, c'est vraiment pour les arcs. D'accord. C'est marrant ça, je me suis arrêté sur une feuille où d'habitude ça m'arrête pas la tyrolienne. J'ai pas compris. Ah. Pensez à recréer un point de... Ah oui. Résurrection. Et que je rentre à la maison, je fais ça. Parce que sur le coup je fais... Si Pop-Up meurt, c'est pareil, il va apparaître... Ah bah non, il va pas apparaître là, il va apparaître en dessous. C'est mis à jour, ouais. Je pense qu'on va dormir avant de... Avant d'aller voir ça, non? Non, on passe à jour. Est-ce que dormir, ça met à jour directement Oh, je vais refaire Est-ce le que point, dormir nous fait une vidéo un rêve Ah. On va retrouver des peluches encore. Hein. Oh bah ça oui. Ça repousse. Oh ça repousse.
C'est pas sûr. Est-ce que ça fait partie des trucs qui ne... Bah, ça serait un peu con parce que vu que tout ce qu'ils ont basé là-dessus... Tu joues à 4, dans la majorité des panneaux 3, il en faut. Hein. Par contre, vu qu'il n'y a pas de détails sur les... Allez, hop, ça y est, j'ai mis les ongles. L'ongle. Ah. Bah du coup, c'est parti. Point de sauvegarde. Je peux pas le fabriquer. Donc c'était bien sur place. Je pense qu'il faut... Bah, prends tout sur toi alors, du coup. Ok. C'est bizarre quand même qu'il propose alors. Alors, en fait, il faut juste aller avec tout ça devant le Java-matic. Hein. Il est proposé et en fait, j'ai pas fait gaffe, mais en objet, c'est mis un point d'interrogation. Un objet de fabrication. Depuis, on a l'établi, on a le four, le fourneau. Ouais, c'est le Java-matic qui va le faire, quoi. Donc, on a dit les cuirs de baie. Je les ai cités il y a pas longtemps en plus. Cuir de baie. Le truc que Carpe Coil. Ok, c'est bon. Les ongles. Ok. La science, on l'a toujours. Il m'en manque un. Il manque quoi? Mais non, mais dans ma tête. Fabrication. Les chewing-gum. Alors, ils sont où ça? Ok, normalement j'ai tout. Et bah, let's go. Je revérifie avant de me dire que. Mange et bois quand même avant de partir, mais. Ah oui, c'est vrai. Peut-être. Est-ce qu'il faut dans le frigo? Ouais. Pour info, je viens souvent casser l'hot dog, la pomme, le cookie qui est. Enfin, l'Oreo qui est à côté. Et quand je le casse, il y a des fourmis à chaque fois qui vient m'enlever les trucs que je casse. Là, il y a zéro fourmis qui sont venues. D'accord. À mon avis, toutes les fourmis aléatoires sont plus là. Il n'y a que les fourmis avec en antenne. Maintenant. C'est vrai qu'on a aussi les raids à faire qu'on n'a pas réussi. Oui. Non, mais il y a pas mal de trucs. Hein. Ouais, en allant checker les armures, t'as des armures de bâtard. T'as vraiment des trucs vraiment stylés. Hein. Vraiment comme ça? Donc, ouais, il y a marqué, il y en a une, armure de bâtard, franchement. Franchement, le bonus il est pas mal et tout. C'est quoi le nom du bonus? Armure de bâtard. Ouais. Le bonus c'est vraiment stylé, a priori. Ouais, c'est le bonus c'est vraiment stylé et franchement, cool. Du coup, let's go, on va où là? À la machine. La machine. Enfin, en même temps, la quête nous emmène là-bas? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, tu me crois pas quand je t'en quand je parle alors. Je note. Je crois pas, je crois que c'est qu'il t'écoute pas. En plus, il me croit pas et il m'écoute pas, ouais, super. C'est Pete qui est content, vu que maintenant il n'y a plus de fourmis pour que je fasse ce qu'il y avait. Ça se trouve, c'est Pete le méchant. Alors qu'on parlait que la fourmi, quoi. Tyrolienne par là. Attends. Ben, je suis juste arrivé sur le truc en fait. Il entend tout fabriquer. Ah non, ça y est, il est tout grand, ça y est. Peuple est tout grand, ça y est, voilà. Dans le jardin. Ne me grasse pas, fais gaffe. Attends, hein. J'ai une tête qui se déplace avec moi. Ah, c'est vrai qu'il y a le labo en dessous. Non, c'est, on est sorti par là peut-être tout à l'heure. Plus. Hein? Non, parce que je voyais une porte allumée en dessous.
On est sorti. Non, on est pas sorti par là. On est pas sorti. Je sais plus. Ah non, on est sorti de l'autre côté du cabanon. Ah oui, oui, qu'on avait vu. Ok, bah, il y a sans doute un labo en dessous, du coup. C'est quoi si je tape dessus? Mais non, ça se trouve, ça fait game over. Vous avez tué le seul professeur qui pouvait vous faire devenir grand. Game over. Oh. Non, mais je l'aime pas, ce professeur. J'aime pas sa tête. Ouais, j'aime pas sa tête. Alors, ça, bon, je trouve que c'est tétophobe. Tétophobe. Ouais. Ah, on voit une image de Krang. Non, il faut aller l'installer au milieu, je crois. Tu sais, mais j'avais envie de le faire. D'accord. Par contre, on... Oui. Déposer les ingrédients dans le taille crayon. Montez, ok. Y a plus de guêpes non plus. Adorme. D'accord. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait les produits. Ok. Ah oui, il faut bien tous les ingrédients, ok. Okay. The mixture seems right. Well done. Bon, on a suivi la recette, hein, écoute. Perhaps you could get a job at the Gittin Jet as a barista. Assuming all goes to plan, of course. Of course. And you're old enough to comply with any labor laws. Mais du coup, il y a un trou. Vous êtes là ? Il y a un trou dans la machine, enfin ça. Bon, ok. Ah. Ouais, bon, ça sent la fin du jeu. Ah. Voilà. Ok, il va falloir défendre ça. Ah bah non, ça grille. Voilà, okay. C'était pas tout. Et toi tu répares, c'est ça, et nous on fait les fourbis. Ah c'est avec les trucs rouges. C'est quoi ça? Ah il balance des trucs électriques le docteur. Ah la vache, j'ai pris. Pareil. Ok, c'est réparé. C'est réparé? Ouais. Bon, mon truc de la LED, c'était complètement foireux. Allez, cinématique 2. Look at the state of this. Trudy's Java-matic. Oh, the warranty will be voided for sure. Subterfuge. J'ai monté sur le robot. J'ai fait un double. Avec un peu. Lack of respect for another person's science. This all reeks of Schmechter.
I must warn you, the fusion process for the unbeginning cocktail is quite loud. It will continue to draw attention from the director's little army. Il va falloir some time to prove, I'm afraid. We'll need to defend those mixer modules for as long as it takes. If the orcs destroy them, they'll take down the entire system. For science! Bâtiment de stockage aromatique. Oh, on appuie sur le bouton, écoute. Hein. Ouais, faut les défendre maintenant, par contre. Ok, bah c'est parti. Hein. Ah! Ok, bon bah, on se bien. Je vois ce qui était sur la tyrolienne, du coup, je t'ai entendu parler. Bah, je pars sur le C. Hein. Toi, ton but, ça va être de réparer. Hein. Aïe! Ah! Ah, c'est des moustiques! Oui. Ah la vache! J'ai perdu la moitié de mon PV. Mort. I need a hand. Thank you. Peace. Super nombreux en fait. Mais oui. Ça va être compliqué en fait. C'est les moustiques tigres. Ouais. Ah ok, on peut pas réparer. Ah d'accord. Bah c'est mort. Ok bon. On finira pas le jeu aujourd'hui. Wow, ils sont trop nombreux derrière. Ils sont moins que 10. Ouais, c'est un raid. Non mais c'est plus qu'un raid. Ouais, c'est ultra stuff là. Disons que c'est fait exprès pour qu'on réussisse plus. Chance, hein, là c'est. Ouais, donc on finit pas aujourd'hui. Oh non. Zut! Ah, je pense qu'on est. Bah, je suis pris des explosions. De toute façon, j'avais déjà plus de vie. Ok, va falloir faire les stuff avant, quoi. Ouais. On va falloir farm pas mal, je pense. En fait, il va falloir trouver des peluches. Ouais, mais les tenues, je pense qu'on peut tous se faire un truc sympa. Je pense qu'il va falloir fumer des cloportes aussi, je pense, pour notre tank. A voir ce qu'il veut. Ce que tu veux, voilà. Mais j'ai l'impression que la cloporte a l'air sympa. Et on en a pas tué encore les cloportes. Non. Bon, du coup on abandonne là pour aujourd'hui. Puis bah chacun va devoir se faire une panneau. Moi je pense que je vais partir sur la guêpe. Et le problème c'est que bah, toutes les tenues demandent des peluches, ou presque. Mmh. Donc ça on en aura pas assez. On va en avoir assez je pense pour une panneau. Il va falloir en trouver d'autres. Mais ça repousse pas. On va voir si ça repop. Hein. Là j'ai bien cru qu'on avait fini le jeu quand même. Hein. Enfin, quand la vidéo s'est lancée. Sur ton site là, j'ai oublié le nom, j'ai plus de... combien d'heures pour un grand Je sais pas, j'ai pas regardé. Regardez. Mais sachant que par rapport à quel mise à jour à chaque fois, enfin. Oui, enfin, je pense que c'est au moins le jeu de base. Main story, ils disent 23 heures. Oh, main plus extra. Largement explosé. Main plus extra, il dit 70. Ah oui, voilà, ça m'a fait. Complète en 90. Il m'attaque là. Ok. C'est énorme. Ah, il y a une. Ah, il y a un bombardier avec le truc de lumière. Oui. J'ai pas fait un peu d'extra. Ouais, et puis on prend notre temps. Ok. J'ai cassé les pattes.
t'as cassé quoi? Les pieds. Je suis mort en tombant. Non, fallait dire que c'est le mob qui t'a touché de loin, enfin tout, un truc un peu plus épique. Ah non, 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 je suis mort en tombant. Allez, ouais, bon. Ah, bah déjà, on a l'allure du moustique tigre, il faut activer. Ah oui. Et là, honnêtement, c'était pas les moustiques les pires. C'était, il y avait énormément de fourmis. En fait, je me suis concentré sur les sur le moustique tigre en étant au-dessus du truc à protéger et... Le problème, c'est qu'il est pas... Il est pas rapide à tuer parce qu'on peut pas facilement tirer dessus. Ouais, mais ça sera... Si j'ai la panneau, moi, je pourrais m'en charger sans problème. Tu fais tous les moustiques? Ouais. Ouais, tout ce qui est volant, ça sera pour ma poire. Et vous pourrez ravager les... De toute façon, on pourra juste s'équiper, hein. Je pense qu'on est sous-équipé. Oui, là, on est vraiment sous-équipé. Bah, il faut des tenues 3. Hein. Ouais, il faut regarder, il faut que chacun choisisse une et puis go farm, quoi. Ok. C'est un autre truc que je vais faire vite fait. Lancer le scanner sur les peluches. Ah, ouais, vas-y, balance pour voir un peu. Alors... Ça s'appelle comment? Ça s'appelle pas peluche? Si, peluche. Je crois que tu l'avais lancé. Oh bof. Il dit qu'il y en a encore plein sur le cabanon. Et pas ailleurs. C'est que ça repop alors? Ou alors qu'on n'a pas tout pris? Possible, ouais. Mais ça me paraît pas déconnant que ça repop vu que la le nombre qu'on a besoin et le jeu peut se faire à 4. Waouh. Ouais. Après, on aura l'accès à la sortie. Ah non, non, ça va pas aider. Ça. Parfait. Le bloc parfait réduit la défense de l'ennemi de 20% pendant 10 secondes. Et de temps en temps, ça fait ch'ting. C'est vrai que ça manque de détails, leur... leur caractéristique. Ouais, c'est chiant. Il y en a une qui s'appelle autoritaire. Pose que tu t'aimes. Ah, autoritaire, je pense que c'est pour le tank, non? Pour l'aggro, ouais. Non, armure moyenne. Bah, tu peux être autoritaire et avoir une armure moyenne. J'aurais mis sur une armure lourde. D'ailleurs, il n'y a pas d'armure lourde. Et tu as vu une. La coccinelle, je crois. Ah non, pardon, c'est cloporte. Non, c'est pas cloporte. C'est cloporte, ça, je pense. Alors, bah, oui, cloporte à armure lourde. Pas de tête lourde 3. Aucune. Ok. Cloporte. Ah, cuirasse de cloporte, oui, effectivement. Mais il n'y a pas la tête. Ouais. C'est con. Ah, ouais, je regardais que les têtes, mais on n'a pas tout en tête. Non. Et les jambes. Il y a des jambes de cloporte, par contre. C'est étrange ça. Ah mais tu vois, c'est comme il y a les jambières de fourmis de feu, mais Il y a, que des jambières de fourmis de feu. Non, il y a le casque de fourmis de feu. Ouais, mais il n'y a pas de torse. Tiens. Bon, le descriptif. Mais du coup, on s'arrête là. Yes. Merci. Semaine prochaine, j'aurai mon planning. Ah, voilà, Mais pourtant, il y a pourtant à 15 prochaine, de c'est l'ascension. Est-ce qu'on joue mercredi ou jeudi? Moi, je vois ce jour férié, donc. Tu vois ce jour férié aussi, donc jeudi alors. Ouais. Ok. Je dis c'est plus sûr. Plus sûr. Ok. C'est qu'on a pas du tout récupéré de morceaux de charbon Evershard aussi.
Ouais, mais ça c'est du détail. Parce qu'on peut, on peut y aller n'importe quand, vu qu'on a la panneau, oui. On a fait le plus chiant. La cloporte, elle existe, hein. C'est juste que le casque... Attends... Le casque, c'est après, ça arrivera peut-être quand en fait, on tuera aussi le cloporte, hein. Le oui. Casque, il existe dans la panneau, hein. C'est un espèce de truc de gladiateur, hein. Assez stylisé. Ouais, ouais. C'est qu'on aura la tête du cloporte. Ah, c'est oui. Sûr. C'est qu'on n'a jamais tué, donc il y a peut-être un des trucs, la pop-up, ouais. La tête qu'on, a, qu'on doit analyser. Il me manquer un truc de fourmi de feu, alors, du coup. Et il a l'air excellent, d'ailleurs, ce stuff, hein, vraiment. Blockstone, c'est le truc. Bouclier invincible, en fait, je l'équipe avec la petit truc d'elfe. J'aurais plus besoin de le faire. Mm. J'aurais quoi à la place? Blockstone. Si tu bloques 3 attaques de l'adversaire, ça le stun. Mm. Ok. Après, si vous voulez tenter les boss avant de faire la fin, du coup, enfin, on aura le temps aussi. Peut-être que les boss vont donner aussi du loot intéressant. Ouais, c'est assez chancé. Parce que j'imagine que celui-là qui veut faire le stuff de la veuve noire, peut-être que la veuve noire en boss, ça permet de donner les ingrédients nécessaires. Noir, ça prend du poison. C'est la sympa, la veuve noire. Hein. Bon, c'est pas trop ce qu'ils font, les trucs. Donc, Look strings, ça c'est quoi? Ah, en fonction du shield que tu utilises, ça a des effets différents. Mais ça augmente le... Ah, ok. Ça augmente le nombre de blocages que tu peux faire. Non, elle est vraiment monstrueuse, cette panneau, pour le... Pour le tank. Tenting case. Ok, ouais. On va aller. On verra ça la prochaine fois. À la semaine prochaine. Merci, bonne soirée à vous du coup. Bonne soirée. Ouais, tchou.